la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une belle semaine commençant votre compagnie à travers Film FM et ses canaux digitaux. Bienvenue à Mirador, à la une. S'enfermer dans des bureaux et penser pouvoir exclure d'éventuels compétiteurs des élections futures, cela ne marchera pas. C'est en substance en ces mots que l'on pourrait résumer le message fort du président de l'UFDG et de l'ANAD. C'est comme si, et là je sais Loudalain Diallo, à l'occasion de la reprise des activités de son parti au siège de celui-ci avant-hier samedi 29 janvier, avait tout simplement décidé de dégoupiller une grenade politique car provoquer un débat sur l'hypothèse d'un éventuel projet visant à exclure des acteurs politiques à la future élection présidentielle notamment, c'est porter une accusation à peine voilée contre le CNRD, voire contre le colonel Mamadi Doumbouya et son entourage, une mise à l'écart pour cause, dit-on, d'âge avancé. Quoi qu'il en soit, c'est un débat sensible que vient de soulever le président de l'UFDG, alors que la question de la durée de la transition est chaude. Déjà les esprits, quels sont les implicites de cette sortie sanguine de la GC Loudalain Diallo? Cette sortie est-elle annonciatrice d'une éventuelle épreuve de force entre l'UFDG et la junte au pouvoir? Mirador posera le débat. Bicéphalisme à la tête de l'UPG, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a-t-il tranché en faveur de maître Alfred Matos? La question vaut tout son pesant d'or. Il y a quelques jours, la publication d'un courrier attribué au ministre Mori Kondé, courrier à travers lequel celui-ci aurait reconnu le célèbre notaire comme président du parti fondé par Jean-Marie Doré, est venu en rajouter à la confusion dans cette affaire. Le courrier en question est-il authentique? Nous nous posons la question ce matin. Émane-t-il du ministre Mori Kondé? Au-delà de la justice, un arbitrage des autorités du MATD s'impose-t-il pour débrouiller cette affaire? Des questions que nous allons adresser. Plus concerné donc sur la question, en l'occurrence, M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et si tout va bien aussi, les deux parties concernées pourront prendre la parole dans cette émission. Également à la une de cette émission, très attendue et non moins redoutée, la nomination des 81 membres du Conseil national de la transition CNT aura sans surprise frustré plusieurs acteurs nationaux, des acteurs qui sont mystérieusement restés sans explication officielle du MATD et du CNRD sur les critères d'arbitrage en faveur de ces 81 personnages, et 81 conseillers plutôt nationaux. Malgré cette grogne presque généralisée, le CNT qui attend d'être installé, si tout va bien cette semaine même, probablement donc cette semaine, concentre moult espoir et interrogations. Des questions à poser à notre invité prestige en ce lundi. La composition de ce CNT rassure-t-elle? En cas de crise de confiance entre le CNT et une partie de la classe politique, faudrait-il craindre une crise majeure pendant cette transition? Et que dire des grandes questions qui sont donc à l'agenda du Conseil national de la transition? Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, il répondra aux questions de Mirador. Il nous rejoindra à 10h exactement sur cette antenne. La ville de Fria, longtemps demeurée sous l'emprise des rejets d'alumine blanchâtre sortant des fours de l'usine Roussal de Fulguia, serait désormais confrontée à ce qui s'apparente à des fuites de mazout s'échappant des turbines de la même usine. Outre la pollution de l'atmosphère, c'est la santé de milliers de personnes qui est menacée sur place. Prenant la mesure de la gravité de la situation, le gouvernement de transition décide d'y trouver des réponses. C'est à ce titre qu'une délégation de haut niveau, conduite, et si tout va bien, par le Premier ministre Mohamed Béavogui, est annoncée sur place. Quel est le constat sur le terrain? Nous poserons la question à M. Alassane Sylla, ex-président du collectif de lutte contre la pollution à Fria.
il sera en direct dans cette émission, a annoncé donc dès à partir de ce lundi donc Mirador est relayé par l'ensemble des médias de Dabo Média du côté de la Haute-Guinée et principalement à Cancanville où donc nous sommes reçus sur l'antenne de Baobab FM. Merci pour ce partenariat. Grand merci donc à vous qui nous suivez sur place à Cancan Nabaya. Merci de nous rejoindre.